Le Grand Prix de la gouvernance au Bénin récompense pour sa première édition 17 mai de la troisième mandature de l'aide de la décentralisation. C'est une initiative de l'ONG AFAD, Action for Africa Development. Outre ses maires, des femmes leaders ont aussi été distinguées sur la base de certains indicateurs de l'indice de la bonne gouvernance du ministère de la décentralisation et de la gestion de l'administration territoriale. La sélection des candidats s'est faite à partir d'une méthode scientifique impliquant des experts de haut niveau. Ce sont eux qui ont défini les quatre critères de gouvernance à évaluer chez le candidat. On a essayé de poser des questions par rapport à ces aspects-là et voir comment les uns et les autres réagissent. Donc il y a des personnes qui ont été préparées au niveau de chacune des communes pour répondre aux questionnaires qui ont été préparés, qui leur ont été envoyés. Pour se faire distinguer, il faut alors que l'impétrant recueille une certaine moyenne pour être éligible au Grand Prix, insistent ses organisateurs. Pour quand même rester dans la dynamisme du développement durable, nous avons pensé encourager ceux qui s'illustrent positivement de par leur gouvernance, par la transparence, par le dynamisme, par l'efficacité de la gestion de la chose publique à eux confiée. Nous avons décidé d'initier ce prix qui est le Grand Prix de la gouvernance qui est à sa toute première édition dans tout le Bénin. Au ministère de la décentralisation associé à l'événement, on trouve l'initiative de l'ONG AFAD noble et porteuse d'espoir pour le renforcement de la démocratie à la base. Lorsque ceux qui sont chargés de nous diriger observent les principes d'une bonne gouvernance, tout le monde se sent à l'aise, les frustrations s'estompent et on est plus sûr d'atteindre les objectifs de développement pour tous les citoyens. La première édition du Grand Prix de la gouvernance semble ne pas avoir eu l'adhésion de toutes les communes et autres institutions du pays impliquées dans la gestion des affaires publiques, font observer ses initiateurs. Ils souhaitent alors que pour les prochaines éditions, que plus de portes leur soient ouvertes.